Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière manche du championnat 2003 sur Formula One 2003. Jusque-là, la logique est respectée. Sur le Grand Prix du Japon à Suzuka, donc on va lancer la séance de qualification du vendredi. On va passer directement au joueur et on va faire commencer. Et du beau temps pour accueillir cette dernière manche. Donc, comme vous vous souvenez sûrement. Lors de la dernière course, si vous avez encore suivi, c'est encore présent dans ce championnat qui n'en fait plus, finit plus de s'éterniser. Il n'y a pas grand-chose à gagner, honnêtement. Il faudrait qu'on termine premier et qu'on, je crois qu'Alonso ou Trulli, je sais plus, marque 0 points pour peut-être grappiller une place. Mais au-delà de ça va être compliqué. Donc on est sur un circuit très technique. Donc on va voir, hein, ce qu'on peut faire ici à Suzuka avec la Minardi. Pour clôturer cette saison 2003, qui aura été réussie hein, quand même, même si on a eu quelques grossières erreurs et quelques abandons non convenus. En dehors de ça, ça s'est plutôt bien passé en vrai. Pour le jeu, voilà, hein, on l'a dit un milliard de fois, c'est pas le Formula One à acheter si vous aimez la série. Mais disons qu'on a eu un championnat qui aurait pu être bien pire que ça. D'ailleurs, 2003, c'était la lutte entre Raikkonen et Schumacher pour le titre lors de cette dernière course. Et Schumacher qui finalement aurait pu perdre le titre hein, malgré le nombre de points d'avance qu'il avait. Tout simplement parce qu'il se retrouvait en dehors des points pendant un moment de la course. Et que Raikkonen était deuxième, mais grâce à Barrichello qui allait sauver Ferrari en remportant la course. Et l'abandon de Montoya d'ailleurs. Enfin, je crois que Montoya est sorti de la piste, si je dis pas de bêtises. Du coup, donner le titre à Schumacher. Mais ça aurait été un finish assez intéressant, quand même. Schumacher partait avec beaucoup plus d'avance en points que Raikkonen. Ça aurait été marrant que Raikkonen soit champion, parce que, honnêtement, la McLaren de 2003 était loin d'être la meilleure voiture. Je pense sincèrement qu'elle était la troisième hors du plateau. Et la première restant quand même la Ferrari. Avec la Williams. On a une seconde de retard dans le premier secteur. C'est pas en soi trop moche. Alors, on va essayer de bien finir quand même ce championnat. Je n'ai pas encore décidé sur quoi on ferait la prochaine saison. Ça serait un jeu de F1, un jeu de rallye ou autre. Plus que 0,1 de différence, c'est pas mal. Eh, on a fait un meilleur dernier secteur. Ok. Comme d'habitude, je tousse dans les vidéos à force de parler. Et on va faire passer la qualification. Et on a fait le meilleur temps. 3 secondes. Waouh. Ok. Je prends. Sauf que bon, évidemment, il y a la qualification du samedi maintenant à faire. Donc on va faire passer aux joueurs. On sera le dernier à s'élancer. Ils ont fait une 50. Ah, il doit pleuvoir. Ah, il pleut, c'est ce que je pensais. Bon, bah, du coup, vu qu'il pleut, je pense qu'on est en bonne condition pour faire la pole. Parce qu'on est toujours plus rapide que quand il pleut en qualification, donc. Allez, concernant les updates sur la chaîne YouTube, enfin les deux chaînes, comme vous pouvez vous en rendre compte depuis quelques temps, il y a un peu plus de live, effectivement, on a plus en direct. C'est une volonté, en vrai, hein, d'être un peu plus présent avec vous en direct. Et je me rate, c'est magnifique, heureusement que c'est le tour lancé, c'est pas le tour lancé. Sinon, le contenu de la chaîne n'est pas voué vraiment à évoluer, comme d'habitude, hein, ce sera les directs et certains jeux. Par contre, c'est vrai qu'il y a moins de tests, enfin. Essayer de nouveaux jeux, c'est vrai. Alors je dis pas qu'il y en aura plus, il y en aura toujours.
mais ouais, de manière peut-être plus sporadique. Déjà parce que c'est un jeu que j'aimerais faire, mais j'attends de pouvoir bien y jouer sans avoir de bugs, etc. Ce qui freine un peu quand même l'arrivée des vidéos sur la chaîne. Parce que j'aimerais quand même passer à la partie un peu Microsoft Xbox. Et tout n'est pas encore totalement opérationnel, donc pour le moment, ça ralentit un peu tout. Alors certes, il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas testés sur d'autres consoles, même les anciennes. Je vous avoue que je n'ai pas envie de faire une vidéo sur un jeu sur le moment de manière forcée. Parce que ça risque de faire une vidéo assez, assez nulle, dans le sens où je vais pas être forcément motivé. Parce qu'on avance au premier secteur, je pense que ça devrait le faire pour la pole. Chicken. Bon, le circuit est plutôt bien réussi. 14 secondes de mieux, incroyable. Regardez les temps, 1.36, 1.50 quoi. Bon, c'est parce qu'on a traction control, je pense que ça aide aussi, mais... Allez, on va passer à la course. Bon, le départ va être chaotique parce qu'on n'a pas en général... J'ai essayé de pas me foirer au départ, surtout. Je me souviens des touches, je crois que c'était L1. Bon, tant pis, je vais partir au start. Et je me suis raté, j'avais appuyé sur L1. Donc effectivement, on a tout raté au début. C'est magnifique. J'ai quoi... On va dire, j'ai quand même calé sur la grille. Oh, attention quand même. Allez, on va faire attention dans ces premiers enchaînements. Dans les S. Waouh, 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 on s'est fait toucher par la Jordan. Oh mon dieu, c'est un scandale derrière. Oh là 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 là. Ça fait virer au drame. McLaren derrière nous. Il a dû se rater aussi. Oh là là là. On va passer à l'intérieur, l'extérieur. Oh, il s'est décalé la Jordan. Oh mon dieu. C'est n'importe quoi ce qui se passe sur ce Grand Prix. Et du coup, on est dernier. Wouah, à la Jordan, là, deux fois le décalage, ça m'a totalement surpris. Et du coup, on est le 18e. La pole n'aura servi strictement à rien. Encore une fois, en course, ils sont beaucoup plus rapides. Et il y aura 18 tours à faire sur ce Grand Prix. Devant, hein. C'est difficile à dépasser ça. Un problème n'aura pas eu autant de place au départ, c'est que bah, pour dépasser sur ce tracé, c'est très très étroit. Ouah, attention! Oh là 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 là! Voilà, c'était même pas prévu que je dépasse la McLaren, honnêtement. C'était même pas prévu. Et pareil pour le... Bon, la Jaguar, j'ai essayé à l'extérieur, donc ça, c'est bon. Attention de ne pas partir à la faute. Regarde l'aspiration. Sur la Jordan, Ion Edge... Lui qui abandonne pour un problème de moteur peut-être. Et on se défait de la Jordan. Dans la chicane, c'est parfait. On est 13e.
On va essayer de remonter petit à petit. Bon, la victoire, je pense qu'on peut déjà oublier. Bon, on va avoir vraiment un rythme d'enfer, ce qui n'est pas forcément le cas. On est assez rapide, mais pas... Waouh, pas assez pour... pas assez pour remonter quand même sur le premier. Ouais, cette partie-là, c'est là où on est le plus en délicatesse. Ça marche bien. Oh, le double gauche, le double droite, pardon. Oh, j'ai glissé. Putain, il est long. Et voilà. Et ben là, c'est terminé. Bah, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose avec Adelron au moins. Alors ça, t'en vas beaucoup plus vite d'un coup, mais... En termes de prise de virage, c'est fichu. Et ouais, j'ai complètement décalé sur le côté. Je sais pas... Voilà, avec les deux poids qu'on attend, sans aileron, c'est n'importe quoi. Bon, bah tant pis. Ben voilà, fin de saison. Terminé. Bon, oh là là là, mon dieu. Et c'est Barrichello qui a gagné, comme on voit d'ailleurs. Montoya, deuxième par contre. Raikkonen, troisième. Michael Schumacher, Button, Villeneuve, Panis et Weber qui marque un point pour Jaguar. Ok. Bon, je vous avoue que ça a été n'importe quoi, hein, ce dernier Grand Prix. Je sais pas quoi vous dire de mieux. Bon, enfin, ça va, ça va raccourcir la vidéo. 4 DNF quand même. Isonia, Verstappen, Damata, Trulli. C'est un scandale. Bah du coup, oui, c'est le menu principal, puisqu'il n'y a plus de courses. Terminé. Félicitations, position pilote finale 7ème, position constant finale 5ème. Ça, c'est bien. Alors, par contre, je suis en train de penser à quelque chose. Bon, autre... Ah oui, une 200. En plus, je suis bête parce que... Non, Ralf Schumacher n'a pas marqué de points, donc finalement, on n'a pas perdu de place. Donc, c'est pas trop grave en soi. C'est Alonso que je pensais qu'il était devant nous. J'avais oublié. Donc, on finit 7ème avec la Minardi. Et au championnat constructeur, bah, il n'y avait rien à gagner non plus, donc finalement... voilà. Je pense qu'en fait, dans tous les cas, même si j'avais gagné, ça n'aurait servi à rien. Heureusement, j'ai fait n'importe quoi dans la course. Enfin, surtout calé au départ, ça n'a pas aidé non plus. Bon, ben voilà. Et on a fini sur un... sur les crédits de fin. Des gens qu'il ne faudra surtout pas embaucher pour les prochains Formula 1. Bon, j'exagère, hein, parce que des fois, ils subissent des décisions. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais... Le nombre de jeux qui ont été sabotés par les décisions venant d'en haut, alors que le jeu, on sait, souvent les développeurs sont purement au courant quand il y a un truc qui va pas dans un jeu. Hein. Ils sont pas bêtes non plus. Mais bon, ils ont une hiérarchie, on leur dit fais ça, en plus il y a souvent des délais à tenir. Et ben, ils font avec, hein, concrètement, donc bon, pff, voilà. Je pense qu'il... Jacques Laffy, Christophe Malbranc pour la version française, d'ailleurs. Danner, Eco Vasseur, Finish, et oui, la version finnoise aussi. Ce qui est marrant, c'est que le fait qu'il y ait une version finnoise, ça date vraiment uniquement depuis que Hakkinen a été champion en 98. Hein. Parce qu'avant, il n'y avait jamais le choix de la langue finlandaise. Enfin, finnoise. Merci d'avoir joué. Et donc, du coup, ces pauvres développeurs, malheureusement, ils n'ont pas trop le choix. Donc, des fois, bah, ils savent qu'ils font un peu de la merde, mais on leur dit, bah, ouais, mais c'est bon, on n'a pas le temps, allez, next. Voilà, donc c'est pas forcément toujours la faute des élèves dans les jeux vidéo, mais bref. Allez, j'espère que ça vous a plu, même si c'était un scandale cette dernière course. On se retrouve pour un prochain championnat. Par lequel. Ciao tout le monde.